Bonjour, bonjour. Donc, voici un petit ensemble. Donc, la brassière, vous la retrouverez sur ma chaîne. Elle est déjà existante depuis un petit moment. Donc, j'ai rajouté pour faire l'ensemble ce petit pantalon. Simple à faire. Côte 1-1. Du jersey, les petits points qu'il y a sur les côtés, hein, en fait c'est très simple, c'est du point mousse, rien de compliqué. Ce côté-là et l'autre côté, voilà, c'est que du point mousse et on termine par des côtes 1-1, tout simplement. Donc un pantalon très simple. Mais avec les petits points sur les côtés, ça lui donne un petit look sympa. Pour cela, il va falloir des aiguilles 3,5. J'utilise toujours la laine baby qui se tricote en 3, en 3,5. Pour cela, on va commencer. Donc, c'est un zéro, une naissance 3 mois. Il n'y a pas, voilà, ce sera pour un ensemble pour une naissance. Pour cela, il faudra monter 109 mailles en côte 1-1. Donc, on se retrouve. Donc, voilà, on est en aiguille 3,5, on va commencer, donc il y aura des côtes 1-1 et du jersey à faire. Donc on monte 109 mailles et on va tricoter des côtes 1-1 13 rangs. Donc on a nos 109 mailles, on va tricoter les côtes 1-1. Donc hop. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On embête mon fil. Une maille à l'endroit. C'est le coincé quelque part. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et vous faites ça jusqu'au l'autre extrémité et on se retrouve. Une fois qu'on a fait le premier rang, donc on continue toujours en côte 1-1. Donc moi, ma première maille, ça sera une maille lisière, d'accord? Donc ici, ça fait comme un V. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'en fait, j'ai pris de la laine noire. Ça fait un V. Donc, ça veut dire une maille à l'endroit. Ok? Là, hop, je passe mon aiguille en dessous. Il y a un petit bâton. J'ai la maille qui est là et juste en dessous, il y a un petit bâton. Je ne sais pas si vous voyez, qui est là, sur mon aiguille. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait un petit bâton ici. Donc, si on a ce bâton-là, ça veut dire que c'est une maille à l'envers. Si vous avez des doutes, là, bon, là, ça ne se verra pas, mais ça fait comme des V. Donc ça veut dire que c'est une maille à l'endroit. Ici, hop, j'ai le petit bâton qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en plus j'ai des aiguilles foncées. Il y a un petit bout de laine là. Ça fait un petit bâton ici. Donc ça veut dire une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit,
une maille à l'envers. Et vous voyez, ça forme les côtes 1-1. Donc, on continue comme ça jusqu'à obtenir 13 rangs. On fait 13 rangs de côtes 1-1 et on se retrouve. Une fois qu'on a fait donc nos 13 rangs de côtes 1-1, voilà ce que ça donne. Pour faire le quatrième rang, le 14e rang, pardon, on va faire une augmentation. Hop. Donc, on continue à tricoter les côtes 1-1. Donc, une. Moi, je suis à l'endroit ici. Ici, à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On est bien d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, je fais une augmentation. Je te fais le tour de mon pouce, je fais une boucle et je tire. Ça fait une augmentation. Donc, on continue à tricoter en côte 1-1. Donc, ici, je suis à l'endroit, donc une maille à l'endroit. Ici, il y a le bâton, donc c'est une maille à l'envers. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une augmentation. Et on continue. Donc là, j'ai le bâton. Donc c'est une maille à l'envers. Une, deux, à l'envers, trois, à l'endroit, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix et onze. Une augmentation. Donc là, je suis à l'endroit 1, à l'envers 2, à l'endroit 4, à l'envers 5, à l'endroit 6, à l'envers 7, à l'endroit 8, à l'envers 9, à l'endroit 10, à l'envers 11. Hop, une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc j'étais, hop, donc à l'envers, donc ici, à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, et 11. Une augmentation, et on continue à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une augmentation. Et on continue. À l'endroit 1, à l'envers 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une augmentation. Ah, ici, je suis à l'envers. Donc, 1 à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 et 11. Une augmentation.
Et on continue à l'endroit 1, à l'envers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une augmentation. Je suis à l'envers, donc 1 à l'endroit 2, à l'envers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, vous obtenez 118 mailles. On vient de faire 9 augmentations. Donc, hop, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 4, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 102, 104, 106, 108, 110. Non, qu'est-ce que j'ai mal compté. Donc, avec 9 augmentations, donc ça c'est le rang 14, des côtes 1, 1, 11, une augmentation, 11, une augmentation, on en fait 9, ça nous fait du 118 mailles. Donc, le rang 15, on fait tout à l'endroit. Hop, on passe ici au jersey. Donc, et je vais compter de nouveau mes mailles pour être sûr que j'ai bien mes 118. Donc là, on passe. Donc mon fil de démarrage est là. On est d'accord. Hein. Mon fil de pelote est au même endroit. Et on commence donc le jersey tout à l'endroit. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. 7, 8, 9, 10, 11, l'augmentation, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc là, on tricote tout à l'endroit. 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Une, 82, 80. Ben alors, 83, hop, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, n'oubliez pas, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 et 118. Donc on a bien 118 mailles. Une fois qu'on a nos 118 mailles, donc on a fait un rang à l'endroit. Donc maintenant, on va faire, donc comme on est en jersey, on va faire le 16e rang, un rang à l'envers. Comme on est à l'envers du travail, du coup, on fait du jersey, donc un rang tout à l'envers. Hop. Donc, maille lisière, et on fait tout à l'envers le rang. Je ne vais pas tripoter tout le rang avec vous, hein. Il y a juste le démarrage. Donc, tout le rang à l'envers. C'est juste pour vous expliquer ce qu'on fait. Voilà. Donc on fait tout à l'envers et jusqu'à l'extrémité, on se retrouve.
Le rang 17. On fait tout à l'endroit. Donc, tout à l'endroit. Que là, on est passé en jersey, donc vous avez compris, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Ok. Donc, tout à l'endroit. Et on se retrouve à la fin du rang. Une fois que vous êtes arrivé ici. Vous avez vu, on est passé, hein. Donc, les côtes 1-1, et là, on est en jersey. Donc, on est en train de tricoter ici. Donc, une fois fini, on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Donc, le rang 17, 18, parce qu'on vient de faire le rang 17, donc le rang 18, tout à l'envers. Hop. Donc rien de compliqué, hein. Hop, à l'envers, j'ai dit. Une fois fini le rang, on se retrouve. Faudra préparer des marqueurs. Hop. Donc, hop. On se retrouve une fois fini le rang tout à l'envers. Donc là, on arrive au rang 19. Hop. Donc j'ai préparé mes marqueurs. Du coup, ils sont là. Hop. On va séparer le pantalon. Parce que là, on le tricote. Je ne sais pas si je vous ai prévenu. On le tricote d'un seul morceau. Donc l'arrière, les côtés et le devant. D'accord? Comme on a les motifs là sur les côtés. Hein, donc, on va bien les mettre en évidence pour pas se tromper, pour faire les motifs. Donc, pour cela, on est au rang 19 et on va se le faire tout à l'endroit, puisqu'on est toujours sur du jersey. Donc, une maille lisière, ça fait une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On prend notre marqueur et on le met. Donc là, ça va être un morceau de l'arrière. D'accord? Donc ici, on va avoir les motifs. Donc on va tricoter 15 mailles, toujours à l'endroit, parce qu'on est sur l'endroit du travail. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Quatorze et quinze. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois qu'on a tricoté les 15, on met un deuxième marqueur. Et ces 15 mailles-là, ça sera ici. D'accord? Là, on va tricoter 44 mailles. C'est le central ici. Donc, toujours à l'endroit, hein, change pas. C'est du jersey. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vingt, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44. On prend un marqueur et on vient le placer. Là, bah, comme tout à l'heure ici, donc on arrive ici sur les motifs, donc on tricote 15 mailles. Donc toujours à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On place un autre marqueur. Et là, normalement, il nous reste 22 mailles comme au début, qui sera le deuxième côté de l'arrière. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et la dernière, 22. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et là, c'est là que on va commencer à faire le motif. Donc, ici, les 22 mailles, donc, comme vous voyez, les 22 mailles, c'est toujours du jersey. Donc là, on est sur l'envers du travail, donc on tricote à l'envers. Ok ? Pour moi, ma première maille, toujours une maille lisière. Donc, on tricote les 22 mailles à l'envers. J'arrête pas de coincer mon fil, je sais pas pourquoi. Je ne suis pas installé comme d'hab. Hop. Donc 22 mailles à l'envers. Donc, normalement, on arrive
au marqueur, si vous vous êtes pas trompé. Voilà mon marqueur, je le passe. Donc là, ici, on va faire tout à l'endroit. Les 15 mailles à l'endroit. Et là, on a commencé le premier motif. Passe le marqueur. Ici, on est devant, donc c'est du jersey. Donc, on repasse tout à l'envers, les 44 mailles à l'envers. Corinne, je passe le marqueur. Et là, on va faire les 15 de motifs, comme tout à l'heure. Donc les 15 qu'on tricote ici, on fait exactement la même chose sur les 15 ici. Donc là, on a fait tout à l'endroit, comme on a commencé le motif. Donc, à l'endroit. Passe le marqueur et là on passe sur l'arrière, donc que du jersey, comme on est à l'envers, donc tout à l'envers. Les 22 et les 44, ça sera toujours tout en jersey. Il n'y a que les 15 mailles qu'on fera jersey et du point mousse. Donc, à bien noter à quel moment on change le point pour faire le motif. Hop. 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 Donc là, on vient de faire le premier point. Vous voyez, il y a la barre. Donc on vient de faire celui-là. On est là. On va refaire la deuxième. Donc là, comme on a du jersey, on est sur l'endroit, donc ça sera à l'endroit. Du point mousse, donc à l'endroit. Du jersey à l'endroit. Le point mousse à l'endroit. Et le jersey à l'endroit. Donc on est parti. Hop. Voilà. Donc, hop, mon point lisière, comme d'habitude. Et là, on est parti pour faire du jersey à l'endroit. Donc, les 22 mailles.
On passe le marqueur. Et là, on est sur les 15 mailles. Donc, 15 mailles à l'endroit aussi pour faire le point mousse. On passe le marqueur. Là, on repasse en jersey. Donc, jersey tout à l'endroit, vu qu'on est sur le devant du pantalon. On passe le marqueur et là, on passe au 15 points mousse. Donc tout à l'endroit. On passe le marqueur et là, vous voyez, on fait le point mousse. Hein. La barre, elle s'est installée. Et ici, c'est l'arrière du pantalon, donc tout à l'endroit en jersey. Voilà. On tourne notre travail et là, on fait le dernier rang du point, donc à l'envers pour le jersey. Donc ici, on fait tout à l'envers, donc les veines de mailles, puis 15 mailles tout à l'endroit. À l'envers. La dernière, passe le marqueur et là on est
sur les 15. Donc comme on fait le motif, on fait 15 mailles tout à l'endroit pour faire apparaître notre deuxième barrette, deuxième barre de point mousse. On passe le marqueur, vous voyez, deuxième barrette, elle est là, jersey, point mousse, point mousse. Là, on est au centre, donc ici le devant, les 44 mailles, donc cela se tricote à l'envers, vu qu'on est sur du jersey et qu'on est sur l'envers du travail. Hop, là on passe le marqueur et on passe sur les 15, donc tout à l'endroit, pardon, pour faire notre deuxième barrette, deuxième barre de point mousse. On passe le marqueur et là on passe sur les 22 comme on a fait ici au démarrage, donc tout à l'envers vu que c'est du jersey et qu'on est sur l'envers du travail. Je vois plus ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, quand on remet bien devant, donc là, on est bien en jersey. Là, les 15 mailles, donc on voit bien côte, jersey, deux barres de point mousse. Le devant, tout en jersey, côte, jersey. Côte, jersey, point mousse. Et ici, côte, jersey. Vous voyez, on vient de faire le premier motif. Ok? Donc, on en est, on a tricoté ceci. D'accord? Donc, maintenant, on va continuer. Donc, ce qu'on vient de faire. Donc là, on a placé les marqueurs. Donc au rang 19. Après, on a fait le rang 20, 22 à l'envers, vu qu'on est sur l'envers du travail. 15 mailles à l'endroit, parce que c'est le motif du point mousse. Et ainsi de suite. Le rang 21, on a fait tout à l'endroit,
vu qu'on est sur l'endroit du travail. Et ici, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, pour faire le motif. Et le rang 23, on va faire tout à l'endroit. OK ? Le rang 24, donc là, on va attaquer le deuxième motif. Donc, je vous ai fait un récapitulatif. Donc, on va refaire ce qu'on vient de faire là, mais sans les augmentations. Les augmentations, on oublie. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. On travaille 118 mailles. On reste sur 118. On ne bouge plus. Donc, le rang 23. Hop. Là, on a fait ça. D'accord ? Le rang 23. On est sur l'endroit du travail. On va faire tout à l'endroit. On tourne notre travail. On va faire tout à l'envers. Tourne notre travail tout à l'endroit. Donc, tout à l'endroit. 26, tout à l'envers. 27, tout à l'endroit. Et le 28, où on va faire... Hop, on est ici. 22 à l'envers. 15, point mousse. Donc, les mailles à l'endroit. 44 à l'envers. 15, point mousse. Et 22 à l'envers, parce que c'est du jersey. D'accord ? On retourne notre travail tout à l'endroit. Retourne notre travail. Donc, le rang 30. On va faire 22. Donc, c'est du jersey envers. 15 à l'endroit. 44 à l'envers parce qu'on est sur du jersey et qu'on est à l'envers, sur l'envers du travail. 15 points mousse, donc 15 mailles à l'endroit. Et 22 à l'envers parce qu'on est sur du jersey et qu'on est à l'envers du travail. On tourne notre travail et on recommence et on reprend au 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... Ainsi de suite. Pour cela, hop. Donc là, on va, ça sera le deuxième motif, ok ? Et en tout, il faut obtenir 6 motifs. Donc, hop. Là, on vient de faire celui-là. Ce que je vous ai expliqué, ça sera le deuxième. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc, on s'arrête là. OK ? On va faire 6 motifs. 6 motifs. Donc, avec ça. D'accord ? Premier, deuxième. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et une fois que vous avez obtenu les 6 motifs, on s'arrête. D'accord ? J'espère que c'est bien compris. Les 22, c'est que du jersey. Donc, les 22, hop, ici. Hop, hop, hop. Ça va peut-être plus facile comme ça. Donc, les 22 ici, c'est du jersey. Les 15, c'est ça, le motif. Je ne suis plus dedans. Les 44, c'est l'avant du pantalon, donc en jersey. Les 15 correspondent sur le côté du pantalon. Et les 22, hop, c'est ce côté-ci qui est là. D'accord ? J'espère que vous... Avec l'appui du pantalon, du... Là, et ce que je viens de vous montrer, j'espère que c'est compris. Donc, on est arrivé à ici. Il est où mon papier ? Il est là. Hop. Donc, ça sera le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6 motifs. OK ? J'espère que ça sera clair. Là, on a fait le premier ensemble.
Là, le deuxième, ce que je vous ai expliqué, et il faut en faire 6 au total. D'accord? Je vous laisse avec ces explications-là, en espérant que c'est clair pour tout le monde et que j'ai perdu personne. Et une fois que vous avez fait vos 6 motifs, on se retrouve. Je reviens vers vous, parce que j'ai peur que j'en ai perdu quelques-unes. Donc là, j'ai fait mon deuxième motif. D'accord? Donc j'ai un et j'ai le deuxième motif qui est là. Les deux barres du point mousse. OK? Donc, on répète tout le temps. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, il m'en manque un. C'est 8. Endroit, envers, endroit, envers, ça fait du jersey. Endroit, et ici, on fait de l'envers pour de l'endroit ici et de l'envers pour le jersey. Point mousse, jersey, point mousse, jersey. Donc, oh, je vais reprendre ces 8 rangs pour que vous compreniez bien. Ces 8 rangs-là seront à répéter. Donc là, on a 2 motifs. Il en reste encore 4 à faire. En tout, on doit en avoir 8. Quand vous allez vous arrêter, vous serez à ce niveau-là. Pour. Donc vous serez à ce niveau-là, mais il ne faudra pas faire le dernier rang ici. On s'arrêtera au 7e rang du 6e motif. D'accord? Donc, regardez bien la vidéo et à quel moment on s'arrête. Que vous ne fassiez pas, que vous n'avez pas besoin de défaire pour revenir. D'accord? Donc là, pour le moment, on va faire le 3e motif. Donc, on reprend ce motif-là. Donc, on fait tout à l'endroit. Parce qu'on est sur l'endroit du travail pour le jersey. Et que là, on va faire les 4 rangs jersey qui sont là. Qu'on va reproduire ici. D'accord? Hop. On a le motif et on retricote 1, 2, 3, 4 rangs de jersey. On reproduit 2 barres de point mousse. 4 rangs de jersey. 2 barres de point mousse, 4 rangs de jersey. C'est pas compliqué. C'est pour ça que c'est important que vous notiez les 8 rangs qui sont à faire pour le motif. Que vous ne vous trompez pas dans vos calculs. Donc, là, je repars. Je viens de finir mon deuxième motif. Je repars à 0. Donc, pour cela, je fais tout à l'endroit. Alors, je ne vais pas tricoter tout le rang, hein, mais je vais juste vous montrer le démarrage. Donc, tout à l'endroit, les 22 mailles au démarrage. De mailles, on est bien d'accord. Je passe le marqueur et je continue tout à l'endroit. Les 15 mailles, parce que là on va faire du jersey. Donc ça c'est le premier rang. Du motif, enfin du premier rang. Des 8 rangs qu'on doit faire. Hop, 44 mailles. Donc, on est sur du jersey, donc à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail.
Hop, on passe le marqueur. Donc, pareil, on va passer sur du jersey. Donc, ça, c'est la même chose. Premier rang, tout à l'endroit. Donc, les 22, les 15, les 44, 15, 22. Tout se tricote à l'endroit. Pour le premier rang, on passe le marqueur. Et donc là, les 22, c'est pareil, tout à l'endroit. Voilà, donc on a fait ce rang-là, tout à l'endroit, ok? Là, on va faire le rang suivant, donc le deuxième rang du motif, donc c'est tout à l'envers, pour faire le jersey. Hop, toujours une maille lisière, pour moi en tout cas, et je tricote tout à l'envers, donc les 22 mailles. Je passe le marqueur. Donc là, on a les 15 mailles. Donc, on fait tout à l'envers. Parce que là, il nous faut du jersey. Donc, tout à l'envers. On passe le marqueur, les 44 du milieu, donc du devant, on va faire tout à l'envers aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis à l'envers, c'est tout le rang se tricote à l'envers, toutes les mailles. Notez bien sur un papier les 8 rangs qu'on va faire, parce que vous allez répéter ces 8 rangs-là pour pouvoir obtenir le motif du côté. On passe le marqueur et on fait les 15 mailles à l'envers pour pouvoir obtenir le jersey.
Donc ça, c'est le deuxième rang. Je passe le marqueur. Et là, le dernier, les derniers 22 mailles, on termine en jersey aussi, donc tout à l'envers. On ne change pas, vu qu'on est sur l'envers du travail. On tourne notre travail et donc le troisième rang, c'est tout à l'endroit. Donc, comme tout à l'heure, toutes les mailles, tout à l'endroit. Ça sera notre troisième rang. Voilà. On passe le marqueur. Donc là, pareil. Tout à l'endroit. Vu que là, on veut du jersey. Passe le marqueur et là les 44 centrales, pareil, tout à l'endroit comme tout à l'heure, on fait toutes les mailles tout à l'endroit vu qu'on veut du jersey partout. Ça, c'est le rang numéro 3. On passe le marqueur et on va faire les 15 mailles tout à l'endroit, vu que là on veut du jersey.
On passe le marqueur et on continue tout à l'endroit. Hop, et la dernière. Le rang numéro 4, tout à l'envers. Donc on tourne notre travail. Et là, on est sur l'envers du travail, donc tout à l'envers. Et on aura fait nos 4 rangs jersey. On passe le marqueur tout à l'envers. On passe le marqueur et on continue les 44 mailles à l'envers. Je sais pas si je suis encore dans le cadran. Hop, on passe le marqueur et on continue tout à l'envers. Thank you.
on passe le marqueur et on continue tout à l'envers. Et on aura fait nos 4 rangs de jersey. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc le cinquième rang, il se tricote tout à l'endroit parce que au niveau des 15 mailles ici, on va passer tout à l'endroit. Hop. Donc le cinquième rang, tout à l'endroit. 2, 3, 4, on est là. Tout à l'endroit. Si je suis dans le cadre au final, et c'est là qu'on va commencer le motif hein, pour avoir les barres. Donc ici, n'oubliez pas, on passe tout à l'endroit. À partir de maintenant. C'est un marqueur. Là, on est sur le jersey, donc tout à l'endroit aussi. Passe mon marqueur, donc les 15 mailles à l'endroit. Passe le marqueur et les 22 mailles à l'endroit. On aura fait le rang numéro 5. On
Jusque-là, rien de compliqué. Et c'est au rang numéro 6 qu'on va changer. Le rang numéro 6, c'est là où on fait 22 en vert parce que c'est du jersey, 15 en droit parce que c'est du point mousse, 44 en vert parce que c'est du jersey, 15 en droit parce que c'est le point mousse et 22 en vert parce que c'est du jersey. Hop. Donc là, c'est le rang numéro 6. Donc 22 à l'envers. Hop, 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 il partit où là ? Parce qu'on est sur l'envers du travail et on veut du jersey. Donc les 22 ne bougent pas. On passe le marqueur et c'est là qu'on fait les 15 à l'endroit parce qu'on veut obtenir la barre au point mousse. Donc au rang 6, c'est là qu'on fait à l'endroit. Et quand vous regardez, vous avez la barre du point mousse. Donc on a commencé le motif. Hop. Les 44, ça ne change pas. On veut du jersey, donc on fait tout. Vu qu'on est sur l'envers du travail, donc on fait le jersey à l'envers. Je tricote tout à l'envers, les 44 mailles. Tire mon fil en même temps parce que je sais pas ce que j'ai fait, j'arrête pas de le coincer. Je passe mon marqueur et là on arrive au 15, donc là on tricote les 15 au point mousse. Donc tout à l'endroit, les 15 mailles, on les tricote à l'endroit. Je sais pas où il coince mon fil. Hop. On passe le marqueur et les 22, comme on veut du jersey, donc 22 mailles à l'envers.
on tourne notre travail et on recommence. Donc un rang tout à l'endroit. Donc on est ici. Donc le rang numéro 7. J'attrape mon aiguille. Donc le rang numéro 7 tout à l'endroit. On passe le marqueur. Donc, vous voyez, on a bien le point mousse. Donc, on continue tout à l'endroit. On passe le marqueur et on fait les 44 centrales, donc le devant du pantalon, tout à l'endroit aussi, vu qu'on est sur du jersey et qu'on est à l'endroit du travail. On passe le marqueur. Donc 15 mailles tout à l'endroit. Est-ce qu'on veut du point mousse? Hop, là on veut du jersey. Donc 22 mailles tout à l'endroit, vu qu'on est sur le devant du travail. Hop et hop, je tourne mon travail. Et donc le dernier rang, le 8e, donc on fait 22 envers, 15 endroits, 44 envers, 15 endroits et 22 envers. Et on aura fini le 3e motif. Hop. Donc là, c'est le 8e rang. Donc 22 à l'envers,
place mon marqueur. Et là, je fais 15 mailles à l'endroit pour le point mousse, pour faire mon motif. Je passe le marqueur. Là, on passe aux 44 mailles du jersey. Donc, on est à l'envers, on fait du jersey envers. Donc, les mailles tout à l'envers. Et la dernière à l'envers, je passe le marqueur. Là, on arrive sur les 15. Comme je veux du point mousse pour faire ma barre, donc je tricote tout à l'endroit pour faire mon motif. Hop. Tout à l'endroit, enfin les 15 mailles à l'endroit. Voilà. Je passe mon marqueur. Là, comme je veux du jersey, donc je tricote les 22 mailles à l'envers, vu que je suis sur l'envers du travail. Et on aura fini notre 8e rang. Et vous allez répéter ces 8 rangs-là jusqu'à obtenir 6 motifs. Alors, attention sur le tout dernier motif, faudra peut-être, il me semble que je m'arrête avant. Je dois m'arrêter, je crois, à l'avant-dernier. Je fais le dernier motif, en fait, je dois faire que 7 rangs. Donc, regardez bien la vidéo avant de vous embarquer sur le 6e. Je ne me rappelle plus, je vais le savoir une fois que je vais continuer à tricoter. Donc vous voyez, ça me fait un motif, deux motifs, et là je viens de faire le 3e motif avec vous. Donc les 8 rangs qu'on vient de faire ensemble, vous le répétez jusqu'à obtenir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on s'arrêtera là. Vous me faites 6 motifs. Et faites bien attention pour le dernier motif. Regardez bien la vidéo, que vous défassiez pas et que vous savez à quel moment s'arrêter. Ok ? Donc, on se retrouve. À tout de suite.